Salut tout le monde, c'est Immortal et on se retrouve sur la chaîne ainsi que sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr pour un unboxing exceptionnel. Il s'agit du collector sur PC de Gothic 3, édité par Joywood Productions et développé par Piranha Bytes. Rappelez-vous, il s'agit du studio qui s'est occupé de toute la série des Gothic. Donc une célèbre série d'action RPG sur ordinateur. Ils sont coupés aussi de la série des Ryzen. Sans oublier LX, sorti en fin d'année dernière sur PC, Xbox One et PS4. Donc plutôt connu dans le monde du jeu vidéo, principalement pour les RPG. On se retrouve tout de suite pour ce unboxing exceptionnel de ce fabuleux collector. A tout de suite. Hey, coucou les amis, c'est de nouveau Immortal. Alors on se retrouve pour le unboxing de Gothic 3 que voici. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le jeu est sorti en 2006, donc il y a déjà quand même pas mal de temps. Donc je pense qu'il devrait bien entendu tourner sur tous les PC à peu près quoi. Faut que vous ayez normalement de mémoire un minimum de... Alors au niveau vidéo, je sais plus exactement en fait. C'est écrit ici. Il faut que vous ayez une carte 3D de 128 MO minimum. Donc après avoir une ATI X1600 ou plus, ou alors une Nvidia GeForce 6800 minimum avec 256 MO. Donc de mémoire, bien sûr, ça tourne sous Windows 2000 XP, XP64 avec 1 giga de RAM. Voilà. Ou même 1 giga 5 de RAM, c'est même ce qu'il y a de mieux, hein, c'est ce qui est recommandé. 4,6 giga d'espace disque, DirectX 9 bien sûr, carte son compatible, forcément lecteur de DVD. Même si maintenant on est quand même passé au Blu-ray. Normalement, je pense que ça devrait passer sur tous les PC à l'heure actuelle. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on sort le petit cutter. Hein, et on va ouvrir ce magnifique coffret. Et voilà. Ouvert soigneusement, on range ça sur le côté. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, on ouvre le coffret. J'essaie de l'ouvrir. Voilà, c'est quand même pas évident. Alors j'ai décidé de faire ça dehors pour changer un peu. C'est vraiment le genre de jeu qui se prête à un décor extérieur. Voilà, c'est pas évident. Donc là, on a un très très beau coffret noir, donc en carton assez rigide, plutôt sobre et très très bien foutu en fait. Donc vous avez une pastille avant d'ouvrir le coffret en fait. Vous avez donc le coffret était bien neuf hein, parce qu'il y avait donc une pastille qui scellait le haut là. Idem pour le bas. Il est très rare de toute façon de trouver ce genre de jeu sous blister. Hein, c'est même à l'époque en magasin, je me souviens, je l'avais même vu en magasin il y a en 2006. Mais bon, voilà. Et de toute façon, les grosses boîtes comme ça de jeux PC sont quand même rarement vendues sous blister. Il y en a, mais ils le font pas sur tous.
Là, ce que je vais faire, Tony, on va lire ensemble le résumé. Donc, un héros anonyme devient une légende. Myrtana, un monde en proie au chaos, vaincu par la déferlante des orques venus des noires contrées du nord. Le roi Robard défend désespérément Vangar, ancienne citadelle des humains, aux côtés des derniers hommes qui lui sont restés fidèles. Partout aux alentours, le monde a sombré dans le chaos. Les rebelles résistent tant bien que mal à l'envahisseur, tandis que les Assassin du Sud collaborent ouvertement avec les orques. Les rumeurs colportant l'arrivée dans ces contrées d'un héros sans nom venu de Corinis, donc là ça c'est forcément c'est vous, sont à la fois porteuses d'espoir et de troubles. De quel côté se rangera-t-il? Qui subira son courroux et qui obtiendra ses faveurs? Une seule chose est sûre, ses choix scelleront à tout jamais le destin de Myrtana. Donc, un système de combat dynamique et captivant. Assaut rapide, combat rapproché ou attaque à distance, tout est possible. Plongé dans le plus coloré et authentique des mondes fantastiques de tous les temps, Myrtana vous attend. Libération ou annihilation, le sort du monde gothique est entre vos mains. Vivez une expérience unique de jeu en choisissant l'une des nombreuses voies qui s'offrent à vous. Le contenu du collector, donc une carte du monde imprimée sur tissu de qualité. Le livre d'art, The Art of Gothic. L'amulette, le masque du dormeur. Le DVD du making of avec scène inédite. Voilà. Et il est même fort probable, parce que c'est pas écrit dans la liste, il est fort probable qu'on ait aussi la musique du jeu, même si c'est pas écrit. Voilà. Donc on va voir ça d'ici quelques secondes. Alors, comme on peut le voir, on va commencer par l'artbook, qui a donc une couverture un peu comme les comics. Donc un papier cartonné glacé, très très classieux, très très joli, franchement, vraiment très très beau. Donc c'est écrit en anglais. The Illustrated Gothic 3 Collector's Edition Making of Book, The Art of Gothic 3, vraiment très très bien. Vraiment magnifique, ce bouquin. Magnifique, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire là sur la présentation de base. Je vais vous montrer comme ça quelques pages. Ah, elle est sympa. Les décors, ils donnent envie. Hein. Franchement. Oh, c'est vraiment très très détaillé. Ah, il parle de tout, hein. Vraiment, hein, de la conception du jeu, de tout, tout, tout. Storyboard. Ah, tout est détaillé, c'est vraiment sympa, hein. Vraiment. Hein. Direction artistique. C'est vraiment superbe. On va aller un petit peu plus loin. On va essayer de montrer des petites choses. Ah, un peu de bestiaire. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très, très intéressant. Ah, c'est sympa, les croquis d'époque et tout, c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Ah, franchement, je bave devant cet artbook, il est vraiment superbe. Moi, je découvre tout ça en même temps que vous.
character modeling. Donc ça c'est tout ce qui est character design. Donc c'est vraiment très très sympa, hein. Vraiment. Hein. Beaucoup de choses nous sont expliquées. Hein. Bon, bien sûr, tout est expliqué en anglais, donc mais bon, d'après ce que je vois, c'est pas très compliqué, je pense, de se rendre compte de ce que c'est. Mais c'est vraiment sympa, quoi. Ça fait c'est un artbook, mais qui fait office de, finalement, de making of au niveau. Enfin, je me comprends, quoi. Je veux dire, il y a pas mal de lectures et tout, des croquis, de très beaux screenshots du jeu. C'est vraiment vraiment superbe, hein, vraiment. Ah, j'aime beaucoup. Bon, après je zappe quand même quelques pages pour pas tout dévoiler non plus, mais donc là on voit les développeurs en plein boulot. D'ailleurs, on peut voir tous les développeurs en photo. Enfin, en tout cas, voilà. Petite photo d'équipe, d'ailleurs. Non, vraiment, vraiment magnifique. Ah, regardez cet artwork, comme il est splendide. Magnifique. Bon, donc voilà, je vais mettre l'artbook de côté. Donc là, on a... Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que surtout de nos jours, dans les jeux consoles, et même jeux PC d'ailleurs, les jeux sur ordinateur, on a de moins en moins de... Bon, on n'a plus de notices, hein, de toute façon, il faut dire la vérité. Hein. Alors c'est pour ça que déjà à l'époque, rappelez-vous, lors de mon unboxing sur LX en fin d'année dernière, la notice était incluse dans le boîtier Xbox One, vu que c'était sur Xbox One. Et ça, franchement, c'est pour ça que j'avais fait un petit rajout en fin de vidéo. J'étais tellement surpris et content que je me suis dit, bah, ça fera plaisir sans doute aux gens qui voudraient acheter le collector d'Alex, parce que une notice dans la boîte. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je me dis, peut-être, ça se trouve qu'ils ont mis la notice dans la version standard. Mais bon, ça, faudrait vérifier. Mais donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a toujours une notice. S'il y a une notice dans la version standard de LX, je serais vraiment ravi de le savoir. Que ce soit sur PS ou Xbox, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc au niveau du manuel, bah, moi je pense que déjà, vu le nombre de pages, c'est quelque chose d'assez complet. Hein, on a tout, hein. Introduction, préface, histoire, tout est traduit en français. Donc ça c'est bien, le manuel est tout traduit en français. C'est vraiment super, vraiment. Bah, je pense que vous savez quoi, je pense même que je vais vous lire un petit bout d'histoire. Ce n'est sans doute pas la rage sanguinaire et l'avidité qui poussent vos ennemis à venir ici, mais plutôt la faim et le froid des hivers exceptionnellement rudes. Il y a 10 ans de cela, des orques lancèrent leur campagne et ils conquirent le Nordmar par une attaque éclair. Le Nordmar, une région que nous avons tenue pendant 5 longues années, harassante, coupée de gisements de minerais magiques, notre sage roi était contraint de prendre des mesures draconiennes, ce qui ne rencontra pas les faveurs du peuple.
Donc c'est par un analyste Kodama à la cour du roi Rodar 2. Votre histoire commence après votre condamnation pour un délit mineur et votre exil sur Corinis dans la vallée des mines, un endroit protégé magiquement où les prisonniers y cherchent du minerai pour les troupes du roi. Organisées en 3 camps différents, on initie rapidement et sommairement chaque nouvel arrivant, dont vous, à leur nouveau lieu de vie, un endroit d'où l'on ne s'échappe pas. Néanmoins, vous n'avez pas accepté votre destin et vous avez trouvé un moyen de quitter votre prison. Au bout du compte, vous avez vaincu une créature redoutable appelée le Dormeur. En faisant cela, vous vous êtes retrouvé enterré et seule l'intervention de l'énigmatique sorcier Xardas a permis de vous maintenir en vie. Il vous a expliqué que la mort du Dormeur a entraîné une réaction en chaîne et que ses effets pouvaient avoir des répercussions dans un futur lointain. Vos aventures vous ont conduit avec quelques amis que vous avez rencontrés au cours de vos pérégrinations sur la côte de Corinis, où vous avez vaincu un dragon mort vivant. Sur l'un des vaisseaux du roi, vous naviguez enfin vers votre patrie qui vous a tant manqué. Mais une mauvaise surprise vous y attend. Les orques ont envahi Myrtana et seule la capitale assiégée résiste toujours. Le pays est en état de révolte et il semble que vos aventures ne font que commencer. Voilà, j'avais envie de vous conter le petit, on va dire la petite histoire du jeu. Donc là, je vais quand même vous montrer ce qui pour moi fait partie du plus important du collector, c'est la carte en tissu, c'est le genre de choses auxquelles je tiens énormément. La carte en tissu a l'air d'être vraiment splendide et toujours un petit sachet qui se ferme avec un petit liseré autocollant. Ah ouais, ah, c'est vraiment sympa. Je sais pas si on peut voir vraiment correctement. Voilà, je vais essayer de faire donc un aperçu global. Aperçu global de la carte. Hop là, que je fasse pas tomber l'appareil, ce serait quand même ballot. Et je vais essayer de vous montrer des petits morceaux. Voilà, c'est quand même assez sympa. Hein, c'est quand même assez sympa. Donc on va quand même la replier. Voilà, je vais la remettre dans son sachet tout de suite pour pas oublier. Ouais, bah alors par contre, là, c'est pas grave, je vais le faire après, parce que du coup, le sachet, il est tombé. Là, c'est pas grave. Alors, ensuite, ce qu'on va montrer aussi, c'est l'amulette. Là, c'est sympa comment c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir l'amulette. Ah, c'est marrant, parce que dans Elex, ils l'ont rangé dans le coffret. D'accord. Donc là voilà.
La petite amulette que je trouve vraiment sympa. Avec marqué Gotikudo. Ça, c'est très stylé. Alors, par contre, évidemment, il y a un petit peu de vent. Donc, il y a tout qui s'envole. C'est très pratique. Excusez-moi. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, on a donc le jeu. Le disque est assez joli, hein. Sympa. Donc voilà. Alors par contre, je sais pas si je vais réussir à le choper comme ça, lui. Je vais pas réussir. Ouais. Ça, c'est le compartiment qui est tellement bien adapté que du coup. Et là, on a quand même l'OST du jeu. Donc ça, c'est fort sympa. Donc vous voyez, c'est pas du tout écrit. C'est pas du tout écrit en fait sur la liste au dos, mais rassurez-vous, la bande originale du jeu, la musique donc, fait partie du coffret collector. Donc ça, c'est bon à savoir. Sans oublier qu'on a aussi le making of. Du coup, en fait, il va s'ouvrir comme ça, je pense. Il s'ouvre comme un bouquin, du coup. Voilà. Donc, le making of sur DVD. Donc, ça, c'est sympa. J'aime bien ces boîtes-là, mais par contre, elles sont quand même relativement fragiles. Donc, faites bien attention. Donc ça, c'est franchement bien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a au niveau contenu du collector. Donc on a l'OST, le making of, tout ça sur des disques, le jeu sur DVD, voilà, l'amulette, la carte, la belle carte en tissu, le manuel et l'artbook. Donc voilà. Donc encore une fois, je vous remontre brièvement le coffret. Avec le dos. Voilà, si besoin, n'hésitez pas à me demander des informations supplémentaires sur le jeu. Si jamais vous vouliez vous le trouver et que vous aviez du mal à vous l'installer, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravi de vous aider. Sinon, juste pour dire aussi que je trouve ça très classe. C'est que le chiffre 3, les lettres gothiques et tout ça, et même le contour, tout est en relief. Et ça, je trouve ça vraiment très stylé. Même sur le côté, c'est en relief. C'est super joli. Super joli. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo unboxing de Gothic 3 sur PC vous a plu. Donc, pour rappel, le jeu est édité par Joe Wood Productions et développé par Piranha Bytes Game. Les développeurs qui ont fait les autres Gothic, Risen ainsi que Elex. Le jeu est sorti en 2006. Voilà, je vous dis à bientôt sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. C'était Immortal71 Camille. N'hésitez pas à partager, un pouce bleu, parlez-en autour de vous. Merci à tous
J'espère que cette vidéo à l'extérieur vous a plu, ça change un petit peu. Et pour ce genre de jeu, honnêtement, je me voyais mal faire autrement. Il me fallait absolument un lieu extérieur. Donc je vous dis à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Yeah.